Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo neutre Senzo Fartas Dopman. Salam à tous, bonjour, Alandit Minoucha, El Tony, Brabra, Steve, Densoa, PC Roborn, Sab du 13, big up à tout le monde, merci à ceux qui sont présents, Sardar et Jaco Jacques. Quel blaze, Jaco Jacques. Bref, merci Alandit, donc c'est bon pour le son, on y va. Alors je voulais faire une vidéo sur une chose qui m'avait un peu choqué, entre guillemets. Bon, c'est pas vraiment choqué, hein, c'est choqué dans le bon sens. Et je pense que ça peut aider encore une fois, puisque c'est notre but, le athée à réfléchir. Donc, j'ai déjà fait une vidéo à l'époque sur les animaux. Les animaux sont-ils croyants ou miracles de Dieu? Donc, je montrais dans des passages vidéo où on avait, entre guillemets, des preuves que Dieu connaissait, que, pardon, les animaux connaissent Dieu et que les animaux respectent plus Dieu que les humains d'ailleurs, enfin, entre guillemets. Et que ils ont un but, ils n'ont pas de libre arbitre entre guillemets aussi, ils ont un but et ils font suivre ce que Dieu a décidé pour eux selon la création. Hein. C'est lui qui a créé tout ce qui est vivant. Nous sommes tous au courant. Et donc j'invite à ceux qui s'intéressent à aller voir des comportements étranges d'animaux envers Dieu. J'ai aussi fait une autre vidéo en parlant du halal, qui expliquait et qui montrait des choses un peu impressionnantes. Donc dans le genre de, dans ces vidéos-là, vous allez voir des actes, on va dire, assez étranges d'animaux qui peuvent prouver qu'ils sont croyants. Et là, vous allez voir que la prière peut carrément immobiliser des animaux. Ça peut les immobiliser pour bien sûr être entre guillemets cuisinés, hein. Donc ça aussi, ça peut permettre à certains de réfléchir. Donc je vous laisse aller voir pourquoi manger halal, les animaux connaissent-ils Dieu, encore une fois. Je vous laisse aller voir la vidéo pour ceux qui ne comprennent pas que rien que là, il y a des choses incompréhensibles pour certains. Hein, je répète, tu chantes, tu récites la prière, la prière musulmane, et l'animal se couche et ne bouge pas, comme s'il savait que il allait être mangé, quoi. En gros, parce que comme je vous ai dit, Dieu a créé des animaux et les animaux font ce que Dieu a voulu. Et malheureusement, hein, pour les véganes, Dieu a créé des animaux pour qu'on les mange. Faut être honnête, hein. Oui, pas tous, c'est clair, mais il y en a certains, c'est pour les manger. Et voilà. Donc je vais vous montrer par exemple un petit La exemple. compliquée, c'est Regardez, d'attraper des l'homme, il tient la chèvre avec même pas une main. Regardez. Là, il récite, hein, il est en train de parler, nanana, voilà, il bouge pas. Donc, il faut savoir qu'il lui a récité avant la prière, nanana. La bête, elle est sur le dos, les yeux ouverts, donc elle n'est pas morte, elle n'est pas immobile, elle n'est pas endormie, non, tout va bien. Et je vous laisse aller voir la vidéo qui explique bien ce genre de phénomène. Donc, c'est connu, hein, chez les musulmans, on sait très bien avec un doigt, on peut immobiliser une poule grâce à la prière. Et je vous dis, hein, allez essayer d'attraper une poule dans un poulailler. Déjà, essayez de l'attraper. Ensuite, essayez de l'immobiliser. Et ensuite, essayez de la tuer sans qu'elle bouge. Ouh là là. Vous dire, ça va être compliqué. Donc, allez voir la vidéo. Vous allez voir déjà que rien que là aussi, il y a quelque chose à réfléchir. Il y a un miracle ou une logique selon les écrits, tout simplement. Donc, je vous laisse aller voir la vidéo. C'est aussi important. Elle date de plus d'un an pour, je répète, nos amis les athées, hein, etc. Et maintenant, je vais passer dans cette fameuse vidéo qui a permis que je puisse faire une partie 2 sur les animaux. Encore une scène où vous allez voir des animaux qui prouvent en gros qu'ils sont croyants, tout simplement. Donc je vous répète, hein, dans cette vidéo-là, il y a plein de vidéos différentes où on voit des animaux qui sont en train de glorifier Dieu, etc. Par rapport et par des actions comme par des faits ou des actes. Bref, je vous laisse aller voir. J'ai plus trop les choses en tête, donc bon, je vais vous laisser aller voir. Hein. Par exemple, les pigeons qui mangent pas des graines qui forment le mot d'Allah. Ils ont mis des graines en forme Allah. Les oiseaux ne veulent pas manger. Mais dès que le mec a mis un coup de balai sur les grains, bah les oiseaux mangent. Dès qu'il y a plus écrit Allah avec les grains de blé, les oiseaux mangent. Mais quand c'était écrit Allah, ils voulaient pas toucher. Ils étaient tous là autour. Donc je vous laisse aller voir la vidéo. Il y en a plein d'autres comme ça, des petites vidéos sympathiques que je kiffe. Hein. Pour tous ceux qui savent, les animaux, ce sont mes amis. Hein, c'est pas nouveau. Et là, on va passer à la vidéo qui est sur le chat. Et voilà, Dopman, t'as tout compris. C'est la vidéo du chat, vu qu'elle fait le buzz, hein, fallait forcément, enfin, qu'elle fait le buzz, que beaucoup de gens, qu'elle a tourné dans beaucoup de profils Facebook, entre guillemets, je voulais faire la vidéo, comme ça, au moins, il y aura une trace sur ma page de ça, voilà. Et ça va en plus avec, justement, ça va encore avec cette vidéo qui datait
de 19 juin 2017, 19 janvier pardon. Donc voilà, on va remettre une couche, on va remettre une couche pour montrer que les animaux sont croyants. Hein, et oui, c'est ça, le fameux chat, regardez-moi ça. Un chat qui refuse de marcher sur un livre sacré, qui est le Coran. Donc allez, lecture. Regardez, ils essayent absolument de le faire marcher dessus, mais non, il veut pas. Il y en a, ils vont me dire, mais c'est normal, il va éviter, c'est un instinct primate, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bah écoutez, regardez la suite, c'est là que vous allez voir que vous êtes en échec et mat dès le début, sans même une réponse, regardez bien. Donc on voit bien qui veut pas. Bon, c'est pas ma petite, hein, c'est dans la vidéo, pour ceux qui ne savent pas. C'est pas ma petite qui crie. Bref, regardez, hein, toujours aucun pas sur le Coran. Par contre, là, ils font la même chose avec un livre d'école, je suppose, un livre d'un enfant. Et là, regardez, il n'y a aucun problème. Le chat, sans hésiter une demi-seconde, il va dessus. Sans hésiter une demi-seconde. Kenef, tu t'es trompé, Cindy. C'est pas Kenef, rien à voir. Voilà, aucun problème. Donc je vous remets vite fait quand même. Si on va se dire, mais non, ils ont fait un montage, ils ont pris que des parties ou ceci ou cela. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, j'en ai encore une après. Je vais me couper le son, hein, on s'en verra bien que les cris du gosse ne sont pas de mon côté. Voilà, donc il est bien. Regardez, hein, la patte en extension, pas une seule patte sur le livre. J'ai envie de dire carrément, on dirait, j'ai écrit le Coran, donc je crois sur parole, hein, mais j'en suis sûr que tu mets la Torah, c'est pareil. J'en suis sûr que c'est pareil, le chat ne marchera pas sur la Torah, faut le savoir. Voilà, et là on change avec un livre d'enfant, et sans hésiter une seule demi-seconde, il a direct foncé sur le livre, sans pitié, regardez, même pas un petit détour, que dalle. Je crois que les animaux ont le sens de l'humour. Waouh, c'est une bonne question, ça, frère. Franchement, c'est une bonne question. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que les singes, si je me trompe pas, les singes se font des blagues. Hein? Donc, pourquoi pas? Parce qu'ils ont de l'humour. Hein? Et j'ai déjà vu un singe rigoler, si je me trompe pas. Ça existe, ça. Bon, voilà, vous avez vu cette petite vidéo qui est, hein, assez intéressante dans la réflexion. Hein? Maintenant, je vous demande, oh, t'es, pourquoi le chat fait ça? Comment il fait la différence entre des livres alors qu'il sait pas lire, etc. Bon. Il y en a, ils vont dire, mais c'est un montage, ils ont pris les bons moments, etc. Il n'y a pas de doute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une deuxième vidéo avec un deuxième chat et un deuxième livre. Et là, je vous le remets. C'est parti, 1 minute 14. Regardez, on va revoir la même chose. Ils essayent. Maintenant, si vous, faites-le chez vous. Vous prenez le Coran, vous prenez un chat et essayez. Vous allez voir. Et vous filmez la scène pour tous les trollers qui vont dire, c'est des conneries, nanana, nanana. Bah, si c'est des conneries, avec votre commentaire, vous mettez le lien de votre vidéo où vous avez filmé votre chat en train de marcher sur le Coran. Voilà. Et là, je dirais, ok, vous avez raison. Mais si j'ai pas cette vidéo-là, n'écrivez même pas de commentaire, s'il vous plaît. N'écrivez même pas. Hein, réfléchissez avec votre cerveau. Bon, allez, on continue. J'ai les trois livres et j'ai un chat, je ferai l'expérience. Exactement ça. Mais tu me filmes, hein. Et pour être formel, hein, tu le mets en commentaire, tu filmes, tu le mets sur YouTube et je m'épinglerai ton commentaire. Et toute la France le verra. Enfin, tous ceux qui suivent le verront. Et on verra bien si tu y arrives, écoute. Hein. Avec plaisir, Sam. Merci à toi de faire le test. Et c'est comme ça que tu te reconvertiras au passage, hein, Sam. Je sais pas si t'es musulman ou pas, je dis ça en rigolant. Hein. Mais je pense qu'après cela, tu comprendras, il y a un truc qui cloche. Hein. Et qu'on a peut-être raison au final. Bon voilà, on change le livre. Regardez. Et là, il n'y a pas eu de coupure. C'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre cette vidéo après. Là, il n'y a pas de coupure entre le livre sacré et le livre d'enfant. Il n'y a pas de coupure. Le chat, instantanément, il va changer de technique. Il va changer de. Voilà quoi, de comportement, bizarrement. Et regardez. Et là, il n'hésite pas une seconde. Il a bien regardé avant. Le chat a bien regardé avant si c'était quel livre. Et il a marché dessus. Donc je vous le remets quand même. Sans maintenant, je ne mets plus de stop. Que vous allez voir que tout est enchaîné. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas 10 minutes plus tard, on a refait la suite de la vidéo. Il n'y a pas je prends les bons moments et je fais un montage. Non, là, c'est du one shot. On y va. Hein, j'ai bien fait exprès de pas mettre stop, comme ça on voit bien que c'est du one shot, c'est important. Hein. Parce que le AT il cherche toujours des excuses, donc voilà. En 2 secondes il a changé le livre, et non. Il n'y a plus de problème, on marche dessus. Et après ils vont remettre le Coran, donc c'est pas fini. Hein. Voilà, normal. Et il fait exactement les mêmes gestes, hein, me dites pas qu'il a changé de sac, je sais pas quoi.
qui tient dans la main ou autre, n'importe quoi. Voilà, là on remet le livre, hop. Et regardez. Et regardez, il évite le livre. Hein, je répète, il n'y a pas de montage, c'est du one shot. Hein. Toujours à la même page, mais ça, Christo, c'est dans ta tête, ça. Christo, merde. Ce Christo, que ça, je m'en foutre de la page. Même le livre fermé, ça sera pareil, de toute façon, donc ce sont déjà. Hein. Et voilà, et là c'est reparti, le gros pat sur le livre. Donc je sais, Christo, tu vas trouver des excuses pour essayer de trouver une logique à ça. Nous, la logique, elle est très claire. Les animaux sont croyants, ils iront aussi, ils seront aussi récupérés, ou plutôt, comment on peut dire ça? Ouais, ils feront récupérer, bon, c'est pas le bon mot, mais vous allez le trouver à ma place. Par l'ange de la mort, lui-même ira chercher les animaux. L'ange de la mort qui va aller chercher les humains ira aussi chercher les animaux. Donc quelque part, faut les respecter. Hein. Ils ont aussi leur mot à dire, et on voit bien que certains animaux sont même plus respectables que l'humain, hein, si tu réfléchis bien. Hein, le chien que tu frappes se foutrait sous la roue de la voiture pour te sauver. Donc voilà. Hein, ça c'est typiquement religieux, hein, cet acte, hein, si t'as pas compris. Hein, le mec qui se suicide, ça s'appelle le sacrifice carrément. Le sacrifice qui n'est pas le suicide, bien sûr, hein, ça n'a rien à voir. Le suicide et le sacrifice. Et même, quand je dis sacrifice, c'est un grand mot. Bref, voilà, je voulais mettre une petite pierre à l'édifice pour nos amis les animaux, et peut-être que ça peut aider les gens qui kiffent la nature. Si vous connaissez les, j'allais dire les Nicolas Hulot, bon. Hein. Malgré qu'il est franc-maçon, hein, on voit bien que c'est des conneries tout ça. Mais bon, il y en a, c'est des amoureux de la nature. Bah, peut-être que ces vidéos-là pourront leur expliquer, grâce aux animaux, que Dieu est grand, que Dieu existe tout simplement. Hein, parce que peut-être qu'il fait pas confiance aux humains, peut-être que les livres, ça le fait chier de lire. Bah, peut-être que de voir ces animaux lui apprendre, ça pourra peut-être le réveiller. Écoutez, on essaie de tout, c'est tout. Après, c'est possible, je dis pas le contraire. Mais Christo, si t'as pas vu que c'était pas possible, c'est certain. À moins que tu es aveugle, ou que il te faut des lunettes. Et le gars, il ose me dire c'est possible. Non, mais tu vois devant toi, frère. Donc maintenant, à toi de voir si c'est pour ça qu'ils l'ont fait, les chats. Si c'est pour le respect de Dieu. Et là, c'est une autre question. Mais ne dis pas, c'est pas. N'ose pas me dire à moi c'est possible ou pas. Tu vois bien que c'est possible, non? C'est devant ta bouche. Bah non, est-ce que c'est à cause de Dieu qu'ils ont fait ça? C'est une autre question. Et là, Christo, tu me prouverais que tu réfléchirais en me posant cette question-là. Au lieu de me poser une. Au lieu de dire une bêtise pareille, excuse-moi, hein. Mais franchement, je t'ai même mis cette vidéo exprès parce qu'il n'y a pas de coupure. Et tu oses me demander, c'est vrai que c'est possible. Mais non, c'est sûr, c'est devant toi. C'est certain même. Voilà, fallait être clair quand même. Hein, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, et des imbéciles, des fois, malheureusement, égarent les autres. Donc voilà, je dis pas que t'es un imbécile, hein. Je dis que certains imbéciles égarent les autres. Je parle pas forcément de toi. Mais bon, faut remettre les choses au clair. Allez, portez-vous bien. Merci en tout cas. Je répète pour ceux qui sont présents, et merci à ceux qui défendent les animaux, qui les aident, etc. Hein, parce que faut savoir que beaucoup les torturent, hein, parce qu'ils sont satanisés subliminalement sans le faire exprès. Hein, ils sont méchants, tout simplement, comme le diable. Donc voilà, allez, portez-vous bien. Oui, il y aura un péri ce soir, Minoucha, normalement. Mais là, je reviens tout de suite pour une nouvelle vidéo. Il y a une vidéo importante à faire qui, voilà, ça m'énerve. Donc je vais faire la vidéo avant de l'oublier sur un rappeur. Bon, je vous laisse la surprise. Allez, à toutes pour certains, à plus pour d'autres. Salam, portez-vous bien, que le bonheur est notre maison. Et avant tout, les frères, pour tous ceux qui sont d'accord avec la vidéo, qui comprennent pas pourquoi dans la vidéo, hein, pour ceux qui comprennent pas l'acte du chat, etc., lisez le livre. Vous allez comprendre pourquoi le chat ne marche pas dessus. Hein. Lisez-le, faites travailler votre cerveau avant de juger quelque chose que vous ne connaissez pas. Rentrez dedans, lisez, et faites-vous votre point de vue. Vous n'êtes pas obligé de devenir musulman en lisant. C'est vous qui allez voir, c'est votre cerveau qui va répondre à votre place. Voilà, allez, ciao, à plus si Dieu veut. Pas
petit. Éviter les conflits trop stressants, mon petit. Cette vie est belle pour nos refs et pour nos mères, mon petit, qui ont dû subir pour élever t'y a plus cher, mon petit. Le monde est petit, pourquoi est écrit mon petit? C'est à toi que je le dis, mon petit. Imagine, réalise ce qui t'entoure, mon petit. Reste habile, idéalise ton parcours, mon petit. C'est la clé ultime d'un long séjour, mon petit. Guidé par l'amour et la passion, mon petit. Faut vivre, ivre de vie, mon petit. Vif, aiguise ton esprit, mon petit. Prie, rends gloire au Seigneur, mon petit. Et dis, mon petit. Le bien-être de la brise, je vais dans le vent.